Acheter des fleurs pour la Saint-Valentin, rien de plus facile, il suffit d'y penser le jour J. Et c'est ici que ça commence, à Alsmer, aux Pays-Bas, où se situe le plus grand marché aux fleurs d'Europe. 1 000 000 m² uniquement consacré aux roses, aux marguerites ou aux tulipes. Cultivées aux Pays-Bas ou importées d'Afrique, elles sont vendues aux enchères toute l'année. Mais à quelques jours de la Saint-Valentin, le cours de la fleur grimpe en flèche. C'est pas vraiment un jour particulier, juste un jour ordinaire. Nous devons acheter. Seul le prix est différent. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut des roses rouges, c'est pour ça que le prix augmente. L'année dernière, le marché de la fleur était plutôt morose, principalement à cause de la crise économique. 2010 s'annonce meilleur et les responsables du marché misent beaucoup sur la Saint-Valentin, qui avec la fête des mères est la période la plus importante de l'année. Pour la semaine précédant le jour des amoureux, le chiffre d'affaires du marché devrait s'élever à 35 millions d'euros, soit 50% de plus que d'habitude. La Saint-Valentin, c'est une très bonne période pour nous, car tout le monde veut acheter des fleurs. Notre but est d'obtenir les prix les plus élevés pour nos fournisseurs. C'est notre principal objectif pour 2010. Après avoir été vendues aux enchères, les fleurs sont triées pour être livrées aux acheteurs dans l'Europe entière ou juste à côté du marché, comme chez cette fleuriste d'Alsmer. Vous pouvez acheter quelque chose comme ça, avec un cœur. Ou bien un bouquet. Michel a commandé 600 roses rouges au marché qui seront livrées à son magasin dans l'après-midi. Saint-Valentin oblige, elle vendra sa rose rouge 3,50 € au lieu de 1,50 €. Mais c'est bien connu, pour les amoureux, quand on aime, on ne compte pas.